D'abord sur Fréquence 7, où on essaye d'être autre chose que la pensée unique, ou d'être dans le même cadre que la pensée unique. Mais aujourd'hui, on continue dans cette série d'émissions que Denis qui nous a initiées sur l'écologie. Mais avant qu'on passe à toutes les choses très importantes qu'ont à dire les invités, je voulais faire une petite chronique, une petite rubrique sur l'état actuel des choses dans lequel on est. Alors, heureusement, il y a quelques journalistes qui existent, qui ne sont pas forcément dans la pensée unique. C'est par exemple le Consortium international des journalistes d'investigation, qui mettent en lumière ce qui s'est passé, qu'ils appellent les Pandora Papers. Alors si vous n'êtes pas au courant, vous tapez Pandora Papers, et vous verrez que le problème, c'est les émigrés. Enfin, ce n'est pas les émigrés comme on peut s'attendre à ce qu'on nous dit sans arrêt tous les jours. Non, les émigrés, ce sont les émigrés fiscaux. Ce sont les émigrés fiscaux, les problèmes. Ce n'est pas les étrangers. Quand on compare les deux budgets, émigrés fiscaux et émigrés tout court, on passe de 1 à 100. Hein, voilà. Et donc, c'est les émigrés fiscaux qui nous coûtent très très cher à notre société. Alors, on a fait plein de choses, plein de papiers sur les médias mainstream, sur justement les émigrés, avec cette offensive qui a été menée par... entre autres les LR, à la suite de M. Z, sur justement le fait que tous les problèmes étaient amenés par les migrants. Et puis ensuite, on a eu le moment sur la Pologne et la Biélorussie, la frontière, avec... Et puis ensuite, un grand témoin qui a été suscité, qui part dans l'autre sens, en fait. Il y a des gens qui sont morts à Calais, au large de Calais, enfin bon, etc. Et puis, je passe un petit peu sur les détails. Et en fait, maintenant, on se retrouve avec le problème qu'il y a en Martinique et en Guadeloupe. Et je trouve que ça a quand même quelque chose à voir. Parce que la réponse du gouvernement a été quand même sacrément longue à venir. Et puis, on nous a expliqué, entre-temps, sur la 2, à plusieurs reprises, que le problème pour les Guadeloupéens, c'était surtout le tourisme, quoi, en fait. C'est le tourisme qui prend cher à cause de ce que font les Guadeloupéens. C'est pas les Guadeloupéens, le problème. C'est pas pour eux qu'il y a quelque chose qui se passe mal. C'est le tourisme. Alors bon, moi, j'ai trouvé ça scandaleux, hein. Et quand même, donc, alors, le cornu finit par aller là-bas, et il leur propose l'autonomie. Ça, c'est une réponse, hein. C'est-à-dire que les gens, ils ont un problème, et ben on leur dit, on va vous proposer une solution, c'est l'autonomie. Hein. Après tout, on va parler d'autonomie. C'est-à-dire, en gros, démerdez-vous, quoi. Hein. Alors, moi, je trouve qu'ils sont à peu près toujours au même niveau. Ils cassent la santé en France, ils cassent la justice, ils cassent l'école. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de solution. Hein. Non, justement, on sait qu'il y aurait des solutions. Hein. Ouvrir des lits, par exemple, pour la santé. Alors, pour la justice, pourquoi je dis qu'ils cassent la justice? Parce que il y a un texte qui a été écrit par 3300 magistrats, quand même, hein, excusez du peu, c'est pas un tout petit texte, et qui a été écrit pour en hommage à une jeune femme qui s'est suicidée le 23 août, qui s'appelait Charlotte, et le texte, il est comme ça. « Nous, magistrats, comprenons que les personnes n'aient plus confiance aujourd'hui en la justice que nous rendons. » Si ça interpelle pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Donc ces magistrats disent, les gens n'ont plus confiance dans la justice qu'on donne, car nous sommes finalement confrontés à un dilemme intenable, juger vite mais mal, ou juger bien mais dans des délais inacceptables. Tout ça en même temps qu'on a les états généraux de la justice en ce moment, quoi. Donc voilà, chercher l'erreur.
Mais cette erreur, on peut la trouver à tous les étages. En France, par exemple, Bruno Le Maire nous explique qu'on est au plein emploi, et en même temps, le Secours populaire nous dit qu'il y a 10% des Français, 10% des Français qui mangent la soupe populaire. Le Secours catholique hein, qui nous dit les résultats de cette étude. L'Union européenne alors nous explique que on va faire quelque chose de très vertueux, on va s'opposer à la déforestation en interdisant les importations de bœuf, de bois, d'huile de palme, de soja, de café, de cacao. Et en même temps, l'Union européenne exporte les néonicotinoïdes qui sont interdits sur notre sol. Enfin bon, c'est quoi, c'est voilà, comme toujours, deux sons de cloche et en même temps un seul qu'on entend vraiment, et puis une façon de faire quand même qui est toujours un peu en dessous. Alors pourquoi je dis en dessous? Ben, par exemple, Barbara Pompili nous explique que la France a été le premier pays à interdire en 2017 l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures sur son territoire. Mais le code minier, lui, il dit que dans les 19 années à venir, les industriels qui ont obtenu un permis d'exploitation avant 2017 peuvent demander le prolongement de l'exploitation de leur mine. Donc voilà, on a toujours... Mais ça, par contre, on n'entend pas hein, sur les grands médias. On entend que, oui, voilà, ça y est, on a demandé à ce que ça s'arrête. Et puis, point barre. C'est pareil que pour le glyphosate, hein, enfin, quelque part. Hein. On n'a pas entendu... vraiment les explications, mais bon, ça va jusqu'au fait que cette incohérence, c'est par exemple, Barbara Pompili, là, toujours la même, a voulu décorer de l'ordre du mérite quelqu'un qui est porte-parole de la Confédération paysanne, Nicolas Giraud, alors tu te connais peut-être, toi, Pierre. Oui. Et donc, lui, là, moi, je trouve qu'il est resté très très clair, hein, et il dit « Je vais refuser cette décoration parce qu'il me semble en effet assez incongru de pouvoir être décoré par un membre d'un gouvernement qui a réintroduit les néonicotinoïdes, qui refuse d'appliquer les décisions du Conseil d'État concernant les nouveaux OGM, qui a une attitude complètement délirante sur la PAC, qui est à l'inverse de toutes les vœux pieux sur l'agroécologie. » voilà. Alors je ne sais pas, par rapport à ça, peut-être tu peux réagir un peu aussi, Pierre-Yves. Ben, disons que ça paraissait assez évident de refuser. La Confédération paysanne, en ce moment, a fait énormément de propositions sur la PAC qui n'ont pas du tout été entendues. Il y a eu une prise de bec assez compliquée entre Nicolas Giraud et Julien de Normandie lors de la discussion de la PAC. Et en effet, ce gouvernement n'a pas été très satisfaisant sur toutes les promesses qu'il avait annoncées sur la sortie des pesticides et le verdissement de l'agriculture. Ouais, d'accord. Alors tu avais plein de choses à nous dire aujourd'hui, des choses positives, hein? je sais pas. Si, c'est un positif. Ben vas-y. Non, moi je suis plutôt dans l'expectative. Non, je pense qu'on peut mieux faire, on va dire. Par rapport au gouvernement? Oui, ben la PAC, puisqu'on parlait de la PAC, ah oui, ben après, 80% des sommes de la PAC vont à 20% des agriculteurs, je veux dire qu'on peut mieux faire. Ah oui, non, mais évidemment. Non, mais après, je dis pas que tout est bien dans le meilleur des mondes, je dis simplement qu'il y a énormément d'initiatives individuelles qui se font jour après jour, même heure après heure, et qu'il faut les encourager, qu'il y a énormément de gens, des jeunes qui ont énormément d'idées, je parle au niveau agricole, avec des nouveaux projets. Moi, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « La mauvaise herbe » qui a été écrit sur ce qui s'est passé dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et il y a plusieurs auteurs qui sont invités à écrire, et Virginie Despentes, ouais. Elle écrit là-dessus, et elle dit en fait qu'elle n'y connaît rien en agriculture, et c'est une pure urbaine. Et elle dit quand même que ce qui l'a épaté dans toute cette histoire, c'est que tous ces gens qu'elle a vus dans cette ZAD, ce sont des chercheurs qui proposent un bon... Alors ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils cherchent vont aboutir à quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, il y a des idées. Et moi, c'est ça que quand je suis positif, il y a des idées, il y a des moyens, il y a des possibilités. C'est pas perdu, c'est pas foutu. On n'est pas dans un monde... Moi, j'ai un peu du mal avec la collapsologie à cause de ça.
Est-ce qu'on n'est pas dans l'effondrement peut-être, j'en sais rien, j'ai aucune idée. En tout cas, il y a des idées, il y a des possibilités, il y a des moyens. Il y a des tas de paysans, je reste que dans le domaine agricole, qui proposent des choses. Ça peut être de la permaculture, de l'agroforesterie, des scopes qui s'installent. Enfin, il y a énormément de choses qui se font, qu'il faut encourager, qu'il faut continuer à développer. Et c'est possible. Donc Pierre-Yves, toi, tu parles donc pour la Confédération paysanne, et tu disais qu'hier, le week-end, là, tu étais allé à... Alors, je suis allé faire un tour à la fête de l'écologie à Prendre, qui était organisée par les écolos, eux aussi, parce que pour démarrer certainement la campagne électorale. Alors, moi, j'étais à titre individuel, hein, je ne suis pas allé en tant que syndiqué. Et c'est pareil, je veux dire, voilà, quoi, il y a des propositions, on sait par exemple que sortir du nucléaire, c'est possible, si on veut le faire, il y a des moyens, alors évidemment, hein, ça va aller vers plus de sobriété au niveau énergétique, moi je ne suis pas spécialiste, hein. Certainement travailler autrement, et mettre de la recherche sur toutes les alternatives, sur les énergies renouvelables, parce qu'on met de la recherche sur le nucléaire, mais on met pas beaucoup sur les énergies renouvelables. Donc, si on veut, on peut, quoi. Tu parlais, par exemple, de voiler à des endroits avec des panneaux solaires. En fait, l'idéal, c'est de comprendre que tout ce qui peut être utilisé pour créer de l'énergie solaire le soit, sans impacter au minimum le foncier, c'est-à-dire sans artificialiser les terres. Donc en ville, déjà, commencer par mettre des panneaux solaires sur tous les couvrir tous les parkings, enfin, trouver des solutions. Et en campagne, bah, par exemple, un paysan qui dit bah, « je vais protéger mes cultures contre la grêle » ou contre au lieu de le faire avec des filets ou du plastique, ça pourrait être fait avec des panneaux solaires. Et là, il y avait un monsieur hier qui était là, je ne sais plus son nom, désolé, qui travaille là-dessus. Il y a des solutions. Parce que je ne suis pas plus positif que ça. Après, je suis d'accord sur ce que tu as dit dans ta chronique. Il y a énormément de... Et encore, on n'est pas gagné. Ouais. Oui, mais bon, tu nous as parlé de plein de choses qui étaient... moi, qui me donnais une morale tout à l'heure, là. Parce que, bon, effectivement, là, nous, on est un peu en train de développer un truc en contre parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de dégâts. Mais on aimerait bien que ça aille bien. Hein. Je ne suis pas en train de dire que... moi, j'ai envie que ça se casse la figure, au contraire, quoi. Non, mais il y a des... Enfin, après, on pourrait parler... Voilà, il y a des alternatives aux pesticides qui se mettent en place. Alors, quelles alternatives aux pesticides ? Alors, moi, mon alternative de corps, c'est ce qu'on appelle les préparations naturelles peu préoccupantes, hein, qui oui. sont la plus connue d'entre elles, le fameux purin d'ortie. Moi, je suis un grand utilisateur de ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, l'objectif, c'est d'arriver à cultiver des plantes qui soient en bonne santé. Il y a des essais qui sont faits, il y a des céréaliers qui ont fait des essais sur des surfaces très importantes, on parle de 400 hectares, et qui ont des résultats surprenants, quoi. Mmh. Avec des rendements, alors évidemment, on ne peut jamais avoir le rendement que fait l'agriculture chimique. Oui, mais tu parlais aussi tout à l'heure du fait que, quelque part, en ayant changé le pouvoir d'achat de la plupart des gens par le fait d'une production agricole très importante, on a à la fois cassé peut-être le modèle agricole et on a en même temps on a mis le doigt dans un engrenage où c'est peut-être un peu difficile d'arriver à repartir sur d'autres bases. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que la FNSEA, son discours, c'est de dire qu'on continue dans la même logique agricole en essayant de verdir le modèle tel qu'il est. J'y crois pas, c'est pas du tout possible. Il faut changer le modèle agricole, et certainement, en bougeant le modèle agricole, c'est un château de cartes, on va bouger une partie du modèle social en général. Il va falloir, ce que tu parlais, là, donc le fait d'avoir utilisé massivement des pesticides, d'avoir fait baisser le prix de l'alimentation, parce que les paysans sont devenus des producteurs de matières premières au plus bas prix, ben, ça a eu comme conséquence de faire baisser le nombre de paysans, on est passé de je ne sais pas combien à 400 000 aujourd'hui. Donc, donc maintenant, aujourd'hui, oui, en effet, si on veut réellement sortir des pesticides, il va falloir certainement remettre des gens dans les terres, réemployer, ce qui ne veut pas dire qu'il va falloir faire la même chose que ce que c'était avant. Ce ne sera pas les mêmes fermes, ce ne sera pas la même façon de faire. Ce que je disais tout au début, il y a des gens qui cherchent, qui trouvent des solutions, mais il va falloir, oui, réemployer, remettre des gens dans les terres. Et ça peut être... Ça peut être un très beau projet. Ça pourrait être une très très bonne nouvelle, que les gens puissent avoir un emploi décent, quoi. Mmh. On a perdu quand même 11 millions d'agriculteurs en quelques décennies, hein. Oui, 11 millions. Oui, mais bon, après, déplacer de l'emploi, ça s'est toujours fait.
Donc ça peut se continuer à se faire encore maintenant. Quoi. Alors toi, Denis, qu'est-ce que tu voulais faire pour abonder sur ce sujet agricole? Je suis un peu moins optimiste, je trouve que les choses vont passer vite, parce que quand même on est un peu pressé par le temps, parce que bon, on va vers un mur de réchauffement climatique et qui impacte déjà une partie de la planète. Je reviens dessus, je ne suis pas optimiste, je ne dis pas que tout va bien, que la politique de Macron me convient, je ne dis pas ça. Je dis, moi je me mets à la place d'un jeune de 20 ans qui nous entend, j'ai un garçon et une fille, c'est dur pour eux d'entendre ça. Oui. Donc ce qu'il faut aussi se dire, c'est que il y a des solutions, il y a des possibilités, il y a des gens qui font des choses, c'est proposé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables aujourd'hui de vous dire, voilà, moi je reste dans l'agriculture, je suis capable de faire une production de raisins de table, je suis capable de le dire moi, en utilisant quasiment très peu d'énergie et très très peu de et sans produits chimiques, un petit peu de bouillie bordelaise, un petit peu de soufre, et je suis capable de le faire. Et si on produisait tout comme ça, ben, on aurait des solutions pour avoir une agriculture qui soit saine et durable. Alors, il y a, en même temps, aujourd'hui, Alain qui est venu pour continuer à nous parler de ce document que vous avez fait sur une vulgarisation des termes, on va dire, sur l'écologie, pour essayer de mieux comprendre et mieux, s'accaparer justement tous les éléments qui ont trait à l'écologie. Vous avez fait tout un document. Alors, tu disais que même ça pouvait durer une journée. Oui, on a beaucoup travaillé avec Amalia Legros parce que justement on était submergé, disons, par toute cette problématique de changement climatique, de problèmes climatiques. Et lorsqu'on n'y connaît rien, on avait simplement envie de pouvoir se faire une opinion personnelle. Hein. Et c'est vrai que c'est un monde compliqué. Hein. À la fois, c'est le monde de la chimie, c'est le monde de la physique. On part vers tellement de problèmes de profession, mais des problèmes aussi politiques. Hein. Les politiques gèrent souvent à court terme, alors que le climat, c'est un problème à long terme. Donc tout cela, on est allé sur Internet essentiellement, hein, pour voir sur YouTube aussi, hein, essentiellement, pour voir, disons, des émissions et puis comprendre qu'est-ce qu'il se passait. Et c'est vrai qu'on est dans un monde fini, donc on est parti de trois affirmations. Déjà qu'on est dans un monde fini et on ne peut pas avoir une politique d'exploitation infinie dans un monde qui est fini. C'est tout simplement logique. Il y a un réchauffement climatique qui se produit, et là c'est physique, hein, si on émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc on explique ce qu'est le problème de gaz à effet de serre. Et puis la troisième affirmation, c'est qu'on appartient au vivant, c'est-à-dire que l'homme est un vivant parmi les vivants, parmi la faune et la flore, et qu'il n'est pas une espèce particulière, il a peut-être une intelligence, plus d'intelligence, mais justement, il doit mettre cette intelligence au respect de tout ce qui est vivant. Alors, trois thèmes développés, le réchauffement, le pillage des réserves et le vivant. Voilà, voilà. Notre but, c'est essentiellement d'aller présenter ce PowerPoint. Donc, c'est un PowerPoint. Voilà, le premier module. Et puis après, de créer des groupes de réflexion, des groupes avec des jeunes, avec des plus âgés. Ça peut être une famille qui se réunit ou des gens d'un village. Tout le monde peut avoir accès à ça. Enfin, vous auriez envie de montrer ça à tout le monde, c'est pas une histoire. Est-ce que c'est une histoire lucrative? Il ne faut pas payer. Non, il ne faut absolument pas payer. Et nous, notre objectif, c'est de mettre des gens en route, c'est-à-dire en réflexion, comme on le fait là, en ce moment, lors de l'émission. Oui. C'est-à-dire simplement se réunir et réfléchir. Donc amener la matière dont on a besoin au départ, parce que c'est vrai que si on parle de gaz à effet de serre, il faut tout simplement comprendre. Donc il y a des petits films qui expliquent ce que c'est, hein, de manière à ce que tout le monde puisse avoir, disons, une connaissance commune. Et puis après, pouvoir échanger, et de manière très simple, hein, c'est-à-dire chacun a le droit de poser ses questions et de s'interroger. On s'auto-interroge et on travaille. On veut surtout que ça ne soit pas qu'une conférence et puis qu'il n'y ait plus rien après, mais que ce soit vraiment un travail qui, disons, de longue haleine. Donc ça pourrait s'adresser à un petit collectif, comme ça pourrait s'adresser à une famille, ou à des scolaires. Voilà. Nous, on a tout ce qu'il faut pour présenter, disons, on a tout le matériel.
Autant pour une salle de 150 personnes que pour une ambiance de 7 personnes qui est intéressée par le sujet. Oui, d'accord. Ouais. Oui. À la fois gros ou petit, c'est pas un problème de salle et tout. Bon. L'essentiel, c'est de mettre une réflexion et puis des actions concrètes de gens qui réfléchissent et de voir en agriculture, en industrie, en artisanat, qu'est-ce qui peut se faire au niveau d'une commune. Simplement, il suffit d'avoir une volonté de réflexion à ce niveau. Alors pourquoi vous avez fait ça exactement? C'est pour ça, pour arriver à... Bon, on a fait ça parce que, je pense, parce qu'on est des Ardéchois tranquilles, de base. On aime à la fois la nature, hein, on aime notre département, on aime la nature, on a grandi dans la nature, et puis on aime les gens, quand on est des gens normaux, et on n'a pas du tout envie, on part fondement. C'est vrai qu'on entend des gens comme... Pablo Servigne, que j'aime beaucoup, hein. Mais c'est vrai qu'on peut après avoir de l'éco-anxiété, quoi. Enfin, oui, se dire oui. Que, par rapport à nos enfants, nos petits-enfants, se dire si demain tout s'écroule, et c'est vrai qu'on est quand même à la porte d'une révolution, quand même, hein, d'une révolution, disons, climatique. Hein. Bon, ça risque quand même d'être un problème. Notre société va changer. Alors c'est pas parce qu'elle va changer qu'elle va forcément s'effondrer et ne pas renaître. D'ailleurs, Pablo Servigne a revu un petit peu sa copie, hein, en disant qu'on peut mourir et renaître quand même. Hein. Souvent d'ailleurs c'est comme ça, c'est les renaissances. Hein. Moi j'aime bien plutôt là, c'était Antonio Gramsci qui disait que quand il y avait des révolutions, il y avait, disons, la révolution était là, elle venait, la nouvelle ne naissait pas tout de suite. Le pire, c'est surtout qu'il y a souvent des monstres pendant ce temps qui naissent. Ouais. Mais bon, sans doute qu'on va renaître vers autre chose, mais c'est vrai qu'il faut quand même s'organiser. Et si on le fait au niveau des gens de base, c'est parce que le monde politique, lui, est très lent. Très lent, disons. Ça ne l'intéresse. Ça l'intéresse peut-être, mais il gère à court terme. Et là, c'est un problème à long terme. C'est-à-dire qu'il faut un plan. Il faut carrément un plan pour qu'il y ait un suivi. À l'intérieur, je suppose qu'à l'intérieur de la CONP, vous avez des discussions sur le même genre de sujet. Nous, on est un syndicat, donc on a un débat de fond, oui, mais on a aussi la forme, c'est-à-dire qu'on gère quand même, on soutient un modèle. Donc au quotidien, hein, on aide les gens à s'installer, on essaie de faire bouger les certaines lignes comme on peut, au niveau de l'accès au foncier, au niveau de... De meilleure répartition, mais oui, de toute façon, le projet d'agriculture paysanne, de souveraineté alimentaire, lui, il est travaillé, hein, il va complètement dans le sens de ce que vous venez de dire. Alors, bon, comment on fait pour avoir accès à... Bah, il suffit de nous contacter, hein, au 06 78 34 44 44, 06 78 34 44 44, et puis après, voilà. On se met d'accord sur un jour, une heure. Ouais. Et toi, Denis, tu as des idées sur tout ce qui vient de se dire? Oui, ça peut être intéressant pour, je pensais, aux écoles, au niveau collège, peut-être pas primaire, mais collège. Déjà que, bon, les enfants, déjà, ils sont plus éveillés, plus, peut-être plus sensibles. Et puis c'est l'avenir, hein, ceux qui ont 12 ans, c'est l'avenir de plus tard, hein, c'est eux qui vont être aux manettes. Et les sensibiliser de suite à cet âge-là, je pense que c'est important parce que c'est eux qui vont être les décideurs plus tard. Et c'est eux qu'il faut sensibiliser maintenant. Comme on dit, c'est le changement climatique, c'est ceux qui sont sur le siège arrière, sur la banquette arrière qui sont assis. C'est eux qui vont leur prendre pleine gueule. Donc c'est à eux qu'il faut s'adresser et, à mon avis, et motiver pour qu'ils fassent avancer. Leurs parents, voilà, ils peuvent être porteurs de messages auprès des parents pour les faire avancer dans leur raisonnement. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous avez à ajouter? Il nous reste une minute. Mais être plein d'espérance, hein, ouais. Voilà, c'est-à-dire peut-être se retrousser les manches, se retrouver, mais il y a des forces syndicales, des forces politiques, des forces philosophiques, tout n'est pas foutu. L'homme a toujours réussi quand même dans les positions, dans les conditions les plus difficiles, il a toujours réussi quand même à renaître. Mm-hmm. Oui, moi je suis d'accord avec ça, hein. C'est-à-dire qu'en effet, il faut continuer à proposer, continuer à chercher, continuer à encourager tout ce qui se fait de bien. Et puis en effet, continuer à se battre aussi contre ceux qui détruisent. Et on vit dans un monde qui est dur parce que c'est ceux qui détruisent qui gagnent beaucoup et c'est ceux qui réparent qui gagnent le moins. Ouais, oui. Oui, donc il y a un problème de répartition aussi
du pouvoir de vie, quelque part. C'est ça. Hein. Et surtout en agriculture. Hein, c'est mais oui, mais même pas qu'en agriculture. Oui. Enfin, mais en agriculture, je crois qu'il y a un agriculteur qui suicide tous les jours. Oui, oui, oui. C'est énorme. Et tous les deux jours. Tous les deux jours. Tous les deux jours. Bah, tu vois, même une petite juge là, qui se suicide parce que la justice part de travers. Donc, enfin, voilà, on espère quand même. Allez, on espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Thank you.